CrossFit. Ça va faire une semaine que j'ai rien fait. À mon avis, ça va être dur. À mon avis, je vais douiller. Il y a peut-être moyen, je dégueule même. Alors, je voulais partager un peu avec vous ma sélection. Aujourd'hui, on est jeudi 24 novembre. Alors, je peux vous dire que ça fait un mois aujourd'hui que je n'ai pas touché une cigarette. Franchement, je suis hyper fier de moi. Bien sûr, je ne suis pas arrivé seul. Bon, c'est vrai que j'ai quand même de la volonté. Hein. Mais c'est aussi grâce à Elite Laser à Lille qui, ça se voit en fait que son taf, ça lui tient vraiment à cœur, qu'elle est vraiment là pour aider les gens. Moi, elle prend régulièrement de mes nouvelles. Toutes les semaines, franchement, elle vient vers moi. Même si j'ai un coup de mou, des fois, je lui envoie un petit message. Parce que c'est vrai que la première semaine, voilà, c'est pas on fait le laser et ça part comme ça d'un coup. Il faut quand même un minimum de volonté. Première semaine, des fois, par en nuit, c'était un peu dur. Je lui envoie un petit message, hyper réactive. Elle est là pour vous. Elle est là pour vous soutenir, pour vous accompagner aussi dans vos démarches. Franchement, c'est un grand, grand merci à Elite. Pour les personnes qui pensent que j'en parle comme ça parce que j'ai eu un partenariat avec elle, alors vous vous trompez complet. Sachez que je n'ai eu aucun partenariat avec elle. C'était une démarche de ma part. J'ai cherché, je me suis levé un matin, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, j'en ai marre de fumer. Vas-y, ça y est, ça me saoule entre l'argent à dépenser là-dedans, ceci, cela. Enfin bref, ça revient hyper cher. Maintenant, en plus, tout augmente, la cigarette, elle augmente, l'essence, les ça. Je dis, oh, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Je pense à ma santé, vous savez très bien, je suis tout ce qui est à base de produits naturels, ceci, cela. Et j'ai fait la démarche de ma part. J'ai trouvé sur Google Elite Laser à Lille. J'ai regardé plusieurs avis sur certains autres cabinets. Franchement, il y avait beaucoup d'avis négatifs. C'est des charlatans, ceci, cela. Et elle, il n'y a que des avis positifs. Sincèrement, c'est un truc de ouf. Je vous mets son Instagram pour les personnes qui sont intéressées. Ils ont vraiment envie d'arrêter de fumer. Bien sûr, il faut une volonté de votre part aussi. Ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas pour là vouloir trouver des excuses. Ah, c'est bon, non, j'arriverai pas. Non, j'arriverai pas. Mais franchement, moi, je me disais ça aussi. Mais en vrai, c'est... Franchement, si on a un peu de volonté... Moi, j'avais de la volonté des fois. Et c'est vrai, un hein, pétage de câble dans la journée, ça y est, je refumais. Et si et ça, c'est... Mais je sais pas, à un moment donné, je me suis dit, vas-y, j'en ai marre. Ben, tu sais quoi, je vais essayer le laser. Au moins, voilà, ça va me donner peut-être un petit coup de boost et tout. J'ai fait le laser, depuis que j'ai arrêté de fumer, depuis que j'ai fait le laser, franchement, je dors mieux, je respire mieux, je pue pas de la gueule, mes vêtements, elles puent pas le tabac. Maintenant, je suis à côté de fumeur, je trouve ça écœurant, c'est dégueulasse, dégueulasse. Demain, pour arrêter de fumer, si vous avez envie d'arrêter de fumer, maintenant, c'est maintenant qu'il faut prendre les bonnes décisions. Mis là où vous pouvez et arrêter de fumer, ça vous nique la santé, mais vraiment, vraiment, vraiment. J'estime que maintenant, vous me connaissez assez... Et vous savez très bien que si ça avait été un partenariat, je vous l'aurais dit, et que je ne vais pas vous recommander quelque chose qui va être soit mauvais pour vous, soit vous faire dépenser de l'argent inutilement. Voilà, comme je vous dis, ce n'est pas facile, mais il faut avoir un peu de volonté. Si vous avez la volonté, franchement, c'est que bénéfique. Il ne faut pas stocker la vie. Voilà, trouvez Christopher. Il a la tête au pied. Ça y est, elle fait des spas, ça y est. Non, j'avais trop. Ces gens sont live, ils mixent. Ah oui, oui. Ils mixent. Yeah. Eh, 100K aujourd'hui. Hein. Ah ouais. Eh, 100K. 100K sur Instagram. Et tu veux la tête au pied par un million, là, allez. On n'a pas eu un petit shirt motivé, nous? Ouais, on est assortis, là, gars. Et toi, Tricia. Allez, va mettre ton t-shirt, Tricia. Après, Christopher va faire la gueule. Eh, y a du stock, hein. Y a du stock, hein. Je sais pas ce qui est mieux, bio. Y a du stock, Christopher. Eh, y a du stock. Bon, ça y est, là, on va rentrer à la maison. Franchement, j'ai passé une bonne soirée. Ça m'a fait énormément plaisir de revoir Christopher et Tricia. On a fait un petit TikTok assez sympa. Je vais le balancer demain. Et je crois que je vais balancer sur TikTok et sur Insta. Franchement, c'était cool. Ça m'a fait énormément plaisir. Christopher, il change pas. Hein, toujours le même. Toujours motivé. Tricia, pareil. Hein, bah franchement, c'est les deux seuls avec qui je garde vraiment contact et qu'on se voit régulièrement. Même si là, Christopher, ça faisait habituellement qu'on l'avait pas vu, puisque bah, avec ses tournages et tout, voilà. Mais déjà, ça fait plaisir de les avoir vus et ça fait plaisir de se retrouver à trois.